Salut à tous, donc je profite d'une luminosité pas très bonne pour vous faire un tag, et le tag c'est As-tu? Donc on va commencer. Donc première question, as-tu des tatouages et ou piercings? Si oui, combien, où et quoi? Alors je n'ai pas de tatouage. Au niveau des piercings, j'en ai un au nombril. Avant j'en avais un au nez, mais je l'ai enlevé. Ensuite, au niveau des oreilles, donc j'en ai deux là, enfin si on peut appeler ça des piercings. De l'autre côté, ben, je les ai pareils, donc deux là aussi. J'en avais un juste après là derrière, mais je l'ai enlevé. Et sinon, j'en avais un au niveau d'ici, donc en fait sur cette partie-là de l'oreille, que j'ai enlevé aussi. J'en ai eu aussi deux à la suite au niveau d'ici, et en fait j'ai tout enlevé. Ça m'a énervé, j'en avais marre pour dormir et tout, c'était chiant, ça fait mal, donc j'ai tout décidé d'enlever. Donc j'ai plus qu'un piercing au nombril et mes boucles d'oreilles comme ça. Alors ensuite, as-tu des animaux de compagnie? Si oui, combien? Lesquels? Si tu n'en as pas, aimerais-tu en avoir? Alors oui, j'ai un animal de compagnie qui est un chien. Et donc voilà. As-tu peur des araignées? Oui, assez quand même. J'aime pas trop les araignées. As-tu peur des manèges à frissons? C'est pas que j'ai peur, c'est qu'en règle générale, je déteste tous les manèges. Donc, je fais aucun manège. Et peur, c'est... Oui, enfin oui, on peut... ouais, je pourrais avoir peur des manèges à frissons. Donc, on a dit, t'es où? Cinquième question. As-tu une peluche pour dormir à tes côtés? Non, j'ai pas de peluche pour dormir à mes côtés. J'aime bien simplement avoir la couette au niveau d'ici, près de moi. Voilà, c'est tout. Ensuite, as-tu une activité ou un loisir? Si oui, lequel aimerais-tu en pratiquer un ou une? Activité, j'en ai pas. Loisir, bah, le maquillage. Sinon, est-ce que j'aimerais même pratiquer une activité? Non, pas spécialement. Numéro 7. As-tu déjà osé dire à quelqu'un qu'il puait de la gueule? Ça m'est déjà arrivé, mais pas en disant tu pues de la gueule, quoi. J'ai déjà dit délicatement à quelqu'un qui avait une mauvaise haleine. Donc, as-tu déjà roté en public? Oui, sans faire exprès. As-tu déjà séché les cours? Bien sûr. Ma dernière année, c'était même pas la peine. As-tu déjà fait un don d'organes? Le ferais-tu? Non, j'ai jamais fait de don d'organes. Est-ce que je le ferais? Oui, je pense, oui. As-tu déjà sauvé quelqu'un? Non, je ne crois pas. J'en avais pas le souvenir en tout cas. As-tu déjà gagné de l'argent à un jeu de chance? Oui, mais des petites sommes, hein, ça va pas au-delà de 20 euros, hein. C'est les jeux de gratte-gratte, mais c'est tout. As-tu déjà eu envie de changer de sexe? Quand j'étais plus petite, oui. Mais sinon non, maintenant je suis très bien comme je suis. As-tu envie de taguer une ou plusieurs personnes? Si oui, lesquelles? Alors moi j'ai envie de taguer tout le monde. Donc si vous avez envie de faire ce tag que je trouve assez marrant, je vous propose de la mettre, de faire une vidéo, de vous filmer et de la mettre en réponse vidéo en fait, un commentaire vidéo. Comme ça, je les regarderai, ça c'est sûr et certain. Et puis, enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas mal. Et donc, je tague tout le monde. Donc, ceux qui veulent faire ce tag, allez-y, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, pour le tag que j'ai fait auparavant, donc le tag Les Vernis, c'est pareil, j'ai oublié de le préciser. Mais si vous avez envie de faire ce tag, faites-le et mettez-le moi en vidéo réponse. Ça me ferait très plaisir et je les regarderai tous, ça c'est sûr et certain. Donc voilà les filles, bah le tag il est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je trouve ça assez, assez marrant. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.